Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Nico Bellic en compagnie de Franklin. On va aller tester notre G63. Alors, il est là tout en bas. Nous, on l'a en noir. C'est un Mercedes classe G. G63. Voilà. Tranquillement. Avec notre petit emblème Mercedes-Benz. Bon, pour une petite visite, alors on a un biturbo en V8, des pneus Continental. Vous voyez, c'est des pneus quand même sport, avec les disques qui sont énormes. Les étriers, c'est des AMG. Deux pots d'échappement latéraux. Jante AMG, il est marqué. Jante AMG. Voilà, et on va aussi voir tout à l'heure le même, mais en 4x4 amélioré. Donc là, c'est un 4x4, mais après, c'est véritablement un tout-terrain amélioré. Donc voilà, deux pour latéraux. Une roue de secours, bien sûr. G63. Arceau de remorquage. Voilà, on va passer un petit peu. Voilà. Hop. C'est comme ça. Là, il est marqué quoi? Je sais pas quoi. Alors là, vous avez vu un petit peu. Pour le siège, on n'a plus qu'à tapoter et tout se modifie. Le blanc, parfait. On rentre un petit peu. Tout est tactile, même le... Le compteur est digital. On a une tablette centrale, du carbone, du cuir, de la surpiqûre, de l'aluminium. Bah, c'est chicourt. L'arrière, c'est comme ça. Donc, on garde le côté rétro avec les bandes rouges chauffantes, les résistantes. Les résistances. Alors, on a. Hop, voilà. Le volant, il y a aussi un petit truc là, un liseré noir. Noir sur noir, voilà. Ça en fait peur aux gens. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, hop. On va aller faire un petit tour. Et tout à l'heure, une petite surprise, vous aurez le 4x4. Le 4x4 G63 amélioré. Oh, c'est déjà de la frappe, les gars. Toutes les voitures comme ça, quand on les prend, elles font tout le temps des surprises sur surprises. C'est... Vous savez ce que vous achetez, en fait. Vous serez jamais déçu par une voiture qui coûte super cher. Par exemple, là, je peux regarder un petit peu le prix d'une classe G. G63, prix. On l'a à... Bah, ça va entre 150 000 euros. L'autre jour, nous, on avait une Mercedes SLK Stirling Moss, je crois, 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, la Mercedes. Vous imaginez? Elle est là à 150 000 seulement. Mais franchement, c'est de la bombe. Hein. Ah, elle accélère. Ah, elle te demande rien, elle. Quand vous regardez des petits des petites séries télé ou des films d'action là avec des G63, c'est de la tuerie. Alors je sais pas si on va trouver encore quelque chose par ici. Genre des bons jumps encore. Mais je sais tout de même qu'on peut aller voir nos copains de la police et venir les taquiner devant
devant leur commissariat. Rien de tel. Oh, il accélère comme une bombe. Il est où le comico déjà? On a perdu la main là? Ah, tenez, regardez-le. On va lui faire faire une queue de poisson. Il va se demander d'où ça vient. Olé! Il est là le commissariat. Voilà! On va aller gravir les montagnes maintenant. On les attend un tout petit peu. Il y a les hélicos. Oh, je prends. Oh non, c'est retourné. Oh ouais, 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 ouais. Un petit peu d'action. Oh, on a déjà tout remonté? Ah non. Ah, c'est de la balle. Ah, je savais que là, il y avait un truc. Ah. Non. Ah, notre clavier commence à être un petit peu amoché. Donc là, si vous remarquez bien, c'est que en dessous des roues, il n'y a pas d'amortisseur. Il n'y a pas d'amortisseur. Et après, on va avoir l'amélioré. Et là, il y aura deux amortisseurs. Et deux amortisseurs rouges. Et ce sera donc pas le même véhicule. Alors où on va là? Il tient encore bien. Hein. Il tient encore bien. Hop. Toi, casse-toi. Au car wash, ouais, ce serait l'idéal. Allez, on se casse de la ville. On prend le Grand Avenue. C'est malheureux. Mais c'est ainsi. Ah, il tourne même plus tellement qu'il cabossé. Elle a quand même l'allure d'une... Oh, d'une voiture de gangster. Hein. Wouhou! Ah. Alors, comme je vous ai promis tout à l'heure, le Class G amélioré. Là, c'est plus un G63, mais c'est un 4x4. Wouhou! Vous voyez, les ailes sont plus larges, le capot est en carbone. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous voyez, on a deux amortisseurs en dessous des roues, de chaque côté des roues, et bien plus encore. Donc on a toujours la police à notre housse. Et on va essayer de s'en dépêtrer. Waouh, waouh. Ça va, il paraît que c'est solide, un 4x4 classé. Ah, il était foncé. Eh ben, on va le réparer. Voilà. Et hop là. Et oui, petite surprise. Voilà, c'est comme ça qu'on échappe à la police en 2020.
Reste plus qu'à amerrir, mais je préférerais quand même atterrir. On accélère, on accélère. Hop, on passe la seconde. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, petit tour. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un max de likes, de commentaires, partagez sur Facebook et mettez la cloche de notification. Salut!